où l'on continue la mission de classe fausse alerte. Seul pour le moment. C'est parti. Comme prévu, l'Empire a mobilisé tout un bataillon blindé. Continuez comme ça, mon ami. Faut activer des signaux de détresse pour attirer les troupes sur de fausses pistes. Et ben on va le faire. Eh ben, c'est plus juste, ça m'apprendra à ne pas me soigner entre les combats. Il faut voir que j'active le prochain. Soyons discrets. Mon cher droïde compagnon. Je dirais que Oregon a été vaincu. Elle s'est fait botter les fesses quelque part dans sa mission de classe. Activons le deuxième signal. Les impériaux ont réagi au-delà de mes espérances. Les forces de Sobrick ont été réduites de 2/3. Maintenez la pression. J'aime bien l'y voir lui. Il est pas tout seul dans un camp impérial, essayez de passer inaperçu. Hein. Enfin bon. Heureusement que les distances permettent de passer inaperçu parce que bonjour. Hein. Troisième et dernier signal. Je crois que ça va faire un petit saut. Et le dernier signal. Mission facile à remplir, voyons un peu les résultats. Parfait. Les défenses de Sobrick ont été réduites à leur minimum. L'équipe de la résistance est en train d'entrer. J'aimerais mieux que vous les suiviez et que vous les surveilliez. Cette mission est trop importante. On dirait que vous ne croyez pas vraiment à la résistance.
Les données qu'ils vont récupérer sont essentielles à la localisation du prototype de système de camouflage. C'est peut-être notre seule chance. D'après l'équipe de la Résistance, le meilleur point d'accès au système informatique impérial serait un hangar à véhicules. Je vous transmets ces coordonnées. Je continue à surveiller Sobrick. Si je remarque un problème, je vous fais signe immédiatement. Protégez nos nouveaux amis. Terminé. Ah, protéger nos nouveaux amis, et ben dis donc. Bon. Eh bien, direction le hangar. Nocta chuna dobiela. Chonki faguta, chiho podaji oto vokise. Chikos pa ini gudad iji gliska chanagawa. Je suis désolé, mais je ne pense pas qu'on se connaisse. Wo grani tampio da pushi wompa. Putula musta. Kuchusa yo mata chitoya, asubi mota uipa. Se gota do muti kihasa da punyo. Lise di woto. Vous me racontez tout ça parce que ce seigneur site est sur Balmora. Piti do tenya go kaka jujo. Da biska ku paliya. Kabano tase makipuna. Mali tuta odmishka. La violence engendre la violence. Umpa hupa. Chikilia umpasa dobiska. Kuchusa yo mata chitoya. Namka noya choski nawi. Apparemment un seigneur site se trouve par là. Donc je vais céder à la tentation ou pas? Réfléchissons. Et nous voici en voyage vers le hangar et peut-être trouver ce seigneur site. Faut vraiment que je passe inaperçu moi. Ça grouille de droïdes. Et de sites apparemment aussi. Oula, ça sent l'impérial par ici. Que la force est avec nous. Faut que je me débarrasse rapidement. Des gardes à l'entrée. Pas un bruit, pas un bruit. Voilà, enfin... Heureusement que mon robot est là, hein. Infiltrons-nous. Infiltration réussie. Enfin, jusque-là. Ça grouille de patrouille, faut faire attention. Voilà. C'est bon, c'est un droïde de réparation inoffensif. Par contre, je vois pas comment échapper. Surveillance. C'est bien que les apprentis sites, c'est qu'ils croient toujours pouvoir tout régler tout eux-mêmes.
Ça devient pas facile quand même. Oregon me demande de l'aide. Apparemment, elle a des problèmes dans son coin. Bon, voyons voir. Reprenons la progression. Que la force est avec moi. Les esprits faibles. Oula. Ouais. Heureusement qu'il voit rien en dessous. Hein. Oups, hello. Ah. Apparemment, ce sont des gens qui se protègent, des réfugiés sans doute. Bon, eh bien, quand il faut y aller, faut y aller. Apparemment, c'est désert. J'ai rendez-vous avec la résistance. Tout va bien, on m'a reconnu. Allons parler à Doc. Je pense qu'il est là-haut. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Vous avez eu accès au réseau impérial? On a déjà tout téléchargé. On s'apprêtait à partir quand ce transport médical impérial a atterri pour faire le plein. Avers et ses hommes ont ouvert le feu. Sale Balmoréen! Assassin! Mes hommes sont mourants! On pourra jamais atteindre le centre médical! Vous nous avez gâtés, soldat. Je parie qu'il y a du matériel de choix à bord de ce transport. Sale vermine! Ces soldats ne faisaient que défendre Balmora! Il y a un médecin ici. Il pourrait venir en aide à vos hommes. Vous me recevez? Les combats ont réveillé un nid de pelicoïdes. Des vagues entières se dirigent vers Sobrik. Évacuez avant d'être cernés. Des pelicoïdes? Ils vont nous massacrer! Chacun pour soi! Allez-vous-en! On ne peut pas fuir! Ces monstres vont nous tuer! J'abandonne jamais des blessés, même des impériaux. Mais j'avoue que j'avais pas prévu de me faire dévorer vivant. Je peux sauver ces soldats si quelqu'un empêche les colicoïdes de s'en prendre à moi. Faites ce que vous avez à faire, je m'occupe des colicoïdes. Que la force soit avec nous. Si on meurt, ce sera au moins un héros. Non, on va pas mourir, hein? Vous avez entendu? Ils sont là! Haha. Superbe. J'ai déjà fait des trucs de dingue dans ma vie, mais là, c'est le pompon. Vous avez été héroïque. Ces hommes vous doivent la vie. Et moi aussi. Je veux que tous les impériaux sur Balmora sachent qu'un Jedi et un médecin de la Résistance vous ont sauvé la vie. Jamais je ne falsifierai un rapport, aussi déplaisant soit-il. Ce serait plus simple de sortir d'ici avec un moyen de transport.
j'ai aperçu une motojet à l'extérieur. Mais il n'y a de la place que pour un. Je vais me débrouiller, Doc. Prenez la motojet. Je voudrais surtout pas vous gêner. C'est mieux comme ça. Voici les coordonnées de votre ami Warren. On se retrouve là-bas. Bonne chance. Et la suite au prochain épisode. Merci de m'avoir supporté durant toute cette vidéo.